Voilà, c'est ces délicieuses notes de la petite valse de Chopin, opus 69, numéro 1, dite de l'adieu. C'est de cela que nous allons parler dans cet épisode de Sur mon lutrin, aujourd'hui. Alors, nous sommes ici, en plein romantisme. 1835, cette valse est vraiment bien à sa place dans le programme dédié justement au romantisme de notre cycle Parlons musique à l'Open Studio. Alors, au-delà des mots et de l'époque, pourquoi cette valse est-elle romantique? C'est en fait avec cette question que débute pour moi le travail de l'interprète. Alors, tout d'abord, il y a la dédicace pour Mademoiselle Marie. Il n'y a pas de nom de famille. Qui est cette Mademoiselle Marie? Alors, nous l'avons vu dans l'épisode précédent, le Sur mon lutrin, dans la sonate, par exemple, au clair de lune de Beethoven, la dédicace à Giulietta Giugiardi n'explique en rien le contexte de la composition. Mais voilà, nous sommes plus de 30 ans plus tard et désormais le processus est inversé. Ce n'est plus la forme d'abord et qui vient être remplie par l'inspiration, mais c'est bien le contraire. Il s'agit de laisser couler le flot de l'improvisation. Un flot émotionnel, si on peut dire, est sentimental. Et puis, le grand travail du compositeur, c'est de structurer ce qui est apparu à ce moment-là. On cherche vraiment l'âme de l'auteur, qui n'est plus d'ailleurs un simple musicien, mais qui est bien plutôt un poète. Alors, qui est donc cette Marie? Alors, elle est bien connue, évidemment, des passionnés de Chopin. Il s'agit de Marie Wodzinska, qui est la jeune sœur de deux de ses amis d'enfance, qui retrouve cette année-là, durant un voyage, l'été. Il s'en éprend, mais attention, pas de ce genre d'amour, disons, passionnel, c'est plutôt un amour mélancolique, c'est le typique amour de Chopin. Et donc, bon, il va se déclarer, même paraît-il qu'il va peut-être même lui faire une demande en mariage, que la maman de Marie va un peu noyer le poisson, disons. Et voilà, c'est un amour qui va un peu rester là, et ensuite commencera sa grande histoire d'amour, la grande histoire d'amour de la vie de Chopin, avec une femme extraordinaire, hein, la grande écrivain. George Sand. Bon, alors, il s'agit donc cette fois d'une œuvre vraiment qui est dédiée un peu à l'amour, et je rajouterais peut-être même à l'absence, car il a vraisemblablement composé cette valse après avoir quitté Marie, et donc dans le souvenir de cette jeune femme qu'il avait tellement bouleversée. Alors, ça c'est un premier aspect, disons, extrêmement romantique. On n'aurait jamais pu dire ça d'une œuvre de Mozart, d'une œuvre de Haydn, de Bach, n'en parlons pas, ou même de Beethoven, c'est trop tôt. Chopin, c'est exactement ça. Mais il y a aussi deux autres éléments qui sont intrinsèques à cette partition et qui en définissent l'époque et la parole romantique. Alors tout d'abord, il s'agit de la main gauche. Pourquoi la main gauche? Eh bien, vous voyez, on a une valse à la main gauche. C'est une valse d'ailleurs de Chopin. Une, deux, trois, une, deux, trois, etc. Bon, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi, dites, pourquoi il dit que c'est romantique ça? Ah ben voilà! La valse, elle naît à Vienne au début 1800 et elle va remplacer immédiatement. Le menuet des salons qui est incroyablement, qui sonne incroyablement 1700. C'est un moyen de danser qui est terriblement plus fascinant, qui brise des tabous parce que on prend dans ses bras la personne avec laquelle on danse. Enfin, la valse, c'est vraiment quelque chose d'un peu discutable au niveau de la bonne société. C'est pour ça qu'on l'aime tellement. Et ce sont donc la famille Strauss qui va régner sur Vienne dans les premières années, les premières décennies 1800.
Et c'est donc un trait absolument caractéristique de cette époque, la valse, comprise comme, disons, une musique de salon. Et donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect qui est extrêmement intéressant, c'est la main droite, la mélodie. Cette main droite, qu'est-ce qu'elle nous dit? La main droite, elle chante. Eh bien, vous savez qui était parti en voyage en ce 1835 avec notre ami Chopin? Il ne s'agissait rien de moins que de Vincenzo Bellini, un des compositeurs plus importants du bel canto italien. À Paris, à l'époque, c'est Donizetti, c'est Rossini qui est le roi de l'opéra italien. Et alors, notre ami Chopin, souvent, n'écrit pas réellement pour le piano, mais c'est comme s'il écrivait pour la voix. C'est presque une aria d'un opéra, hein, avec toutes les fioritures qu'on pourrait imaginer dans la voix d'un soprano, par exemple. Alors voilà, nous avons à la main droite presque une aria de justement Vincenzo Bellini, à la main gauche une valse et la dédicace à Mademoiselle Marie, donc une personne que lui aimait à cette époque. Voilà, ce sont trois éléments importants dans l'interprétation d'un morceau de musique qui me permettent de dire, ben voilà, c'est vraiment de la musique romantique. Voilà, c'est ce que je voulais vous raconter aujourd'hui de cette petite valse. Si vous voulez l'écouter en version complète, elle est disponible au lien que vous trouvez ci-dessous sur mon site. Et sinon, je vous dis, eh bien, au prochain épisode de Sur mon lutrin. Je vous attends.